Salut à tous! Cette fois-ci, ça y est, on peut ranger les guirlandes, mais le Théâtre Sénart est toujours là pour vous réconcilier avec l'hiver et illuminer vos week-ends. Le samedi 12 janvier, laissez tomber les soldes, venez respirer l'air des cimes. Pas besoin de passer au pneu neige ou de faire la queue au tire-fesse, la sublime exposition hors-piste de l'artiste Tom Ogomat vous attend au chaud dans le hall du théâtre en partenariat avec la Galerie Robillard. C'est poétique, ludique, un véritable enchantement pour petits et grands. Et le 12 janvier, Tom Ogomat lui-même passera l'après-midi au Théâtre Sénart. À 14h, il propose un atelier de composition de cartes postales au pochoir. À 16h, une rencontre-conférence sur le métier d'illustrateur, de publicité, de livres jeunesse, de presse, de dessins animés. Tom, c'est simple, il a tout fait. Et à 17h15, il dédicacera ses livres dont le très bel à travers. Le cadeau à se faire pour rêver doux au coin du feu. Le samedi 12 janvier, c'est aussi l'occasion d'avoir les yeux qui brillent en chinant du manga, des affiches, des photos et des vintageries diverses dans notre marché de la BD et du papier. Collectionneurs, curieux, esthètes ou amateurs, tout le monde est bienvenu, de 14h à 20h30. Le samedi 12 janvier, c'est surtout le soir des deux spectacles événements de la rentrée. À 18h, Dark Circus de la compagnie Séroptique raconte sans parole, mais en dessin et en musique, l'étrange histoire d'un cirque un peu loupé que l'arrivée d'un jongleur de couleurs va transformer. Éblouissement garanti pour grands et petits. Et à 20h30, place à l'opéra et à ses étincelles avec le chatoyant Amadigi d'Endel, par les paladins mis en scène par Bernard Lévy. Sortilèges et féeries, histoires d'amour et de magie promettent de vous envoûter pour éclairer le début de votre année. Chez nous, il y aura bien de la lumière samedi. Alors, vous serez de la partie ?